conceptuelle et cette discipline symphonique de l'organisation collective qui touche des personnes physiques, des associations, des élus. Et comme le rappelait Abadou, la puissance médiatique qui nous permet de faire passer ce sujet qui a pu être un sujet d'expert en sujet politique parce qu'il toucherait, ou il peut toucher justement chaque étudiant, chaque touriste, chaque famille et chaque investisseur aussi qui pourrait aider la France et d'autres pays. Donc je retiens vos préconisations et la création aussi de commission entre guillemets de suivi l'application des droits de l'homme à l'étranger, chose qu'on pourrait faire et proposer en tout cas, et rappeler les dernières actions qui ont été portées. Donc, M. Jean-Yves Le Drian a été sensibilisé à ce sujet par Aude à plusieurs reprises, et qu'on a pu relancer dernièrement suite au dernier groupe, à l'atelier de réflexion qu'il y a il y a deux semaines ici. Le président de la République est sensible, les présidents de l'Assemblée nationale qui a même missionné deux personnes, sa conseillère diplomatique et sa conseillère juridique, sur ce sujet. Et d'ailleurs, on aura un rendez-vous qui était proposé le 30 avril prochain pour travailler spécifiquement sur ce sujet de l'Assemblée nationale. Donc, on continue le combat. En tout cas, encore merci pour votre témoignage et vos actions. Et on n'hésitera pas à vous informer, vous tenir au courant de l'avancée. En tout cas, ça bouge, ça s'accélère, que ce soit du côté du Cameroun ou du côté français. Et comptez sur notre détermination sur ce sujet. En tout cas, encore merci. Et puis, si vous voulez échanger avec M. Adjovi, n'hésitez surtout pas. Un grand merci à vous. Merci à vous tous. Je suis debout, donc je demande la parole à M. Adjovi. On vous la donne. Merci beaucoup, monsieur le député. Mon premier remerciement va à François Mathéi, sans qui je ne serais pas ici. Donc, François, merci à toi. Je suis très sensible à cette cause, dans la mesure où j'ai d'ailleurs reçu quelqu'un que Thierry Michel Atangana connaît très bien. Maître Lydienne Eyoum s'est exprimé sur mon plateau en juillet dernier. C'était l'unique fois, et elle a pu donner sa version que les Camerounais ne connaissaient pas. Mon média, c'est JMTV+, voilà, basé au 126 boulevard Haussmann ici à Paris, c'est tout nouveau. Mais je suis journaliste de profession, j'ai travaillé pour Directv qui est C8 aujourd'hui, j'ai ouvert Vox Africa qui est à Londres. Je voudrais vous dire ici que chaque fois que vous aurez besoin de moi, selon mes disponibilités, faites-moi signe, je viendrai. Je suis un peu l'homme qui se bat pour les causes perdues, voilà. Je ne suis pas riche, je ne le serai certainement pas, je n'aurai pas de compte bancaire fourni, mais les droits humains me tiennent beaucoup à cœur. Et je vous remercie, monsieur Adjovi, je vous remercie, madame Amadou, monsieur le député, je vous remercie tous de prendre ce genre de cas en main, car Dieu seul sait combien c'est difficile en Afrique de s'exprimer. Je sais de quoi je parle. J'ai dû un jour fuir le Cameroun. Je suis français aujourd'hui, donc si on m'arrêtait un jour, merci de courir. Cela m'est déjà arrivé d'ailleurs. Nous sommes là. Le 19 juillet 2013, le régime Ali Bongo m'est séquestré à l'aéroport Léomba. Il fallut l'intervention de Jacques Gauthier, le sénateur Jacques Gauthier qui ne l'est plus désormais, à qui j'avais envoyé un texto à 2h du matin. Il fallut l'intervention de Franck Gilles, vice-consul de France à Libreville, d'Étienne Léandre, qui est maintenant consul à Madagascar, au milieu de la nuit, pour que je sois libéré au bout de 9h30 minutes de détention, ou presque. Donc je comprends très très bien. Il aurait pu m'arriver ce qui est arrivé à Thierry Michel Atangana, à Maître Linayoum, si des parlementaires comme Jacques Gauthier, comme si des diplomates n'avaient pas réagi tout de suite au milieu de la nuit. Donc, rien que pour cela, à chaque fois, quand vous aurez besoin de moi, selon mes disponibilités, faites-moi signe, j'accourrai. Dernière chose, après, je vous rends la parole. Un livre coécrit avec un ami gabonais est paru l'année dernière, « Ils ont vendu mon frère », préfacé par Max Mathiasen, que vous connaissez très bien. Je suis donc l'auteur de ce livre, et c'est mon propre petit frère qui a été vendu en Libye. Je n'ai pas de nouvelles depuis juillet 2017. Si ces régimes dictatoriaux que M. Adjovi pointait n'étaient pas
fortement soutenu par le Quai d'Orsay et l'Élysée. Je pense que ces jeunes n'auraient pas besoin de partir de leur pays, comme moi, je n'aurais pas eu besoin de prendre un bateau un jour pour quitter le Cameroun. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je n'ai aucune question à poser, mais je suis à votre disposition tant que vous aurez besoin de moi et que j'aurai la disponibilité. Merci. Merci beaucoup, c'est très précieux. Merci. J'ai une petite question. D'abord, je voulais vous remercier pour toutes ces précisions, parce que c'est vrai que même en tant qu'avocat, je n'avais pas vraiment conscience en fait, de ce que vous appelez la portée quasi-juridictionnelle, juridictionnelle des avis du groupe de travail, et que le terme d'avis peut être trompeur, j'imagine pour le grand public, mais aussi même pour certains professionnels. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et j'avais une question à vous poser qui est cet avis déclaratif qui, donc, pour le cas de Michel Thierry Atangana, pourrait permettre de donner effet à l'avis du groupe de travail. Quelle est l'entité qui est habilitée à donner cet avis? L'avis déclaratif, c'est un acte de l'Assemblée nationale qui fait une interprétation sur une question de droit et qui a valeur dans le système juridique français. Donc, on a parlé de plusieurs avis. L'avis du groupe de travail, c'est la décision que rend le groupe de travail. L'avis déclaratif qui est proposé, c'est l'Assemblée nationale adopter. Le pouvoir législatif français. Donc, dit au système français, voilà ce que ça veut dire. Je voudrais juste rajouter que cet outil est assez méconnu. En fait, moi, j'en ai eu la connaissance il y a 3 ans, quand j'ai interpellé l'Élysée, et c'était encore le président Hollande qui était, et j'étais reçue au titre de citoyenne, je tiens bien à préciser, il n'y a même pas question que je fasse de politique, j'ai été reçue par M. Mélenchon et Mme Hamson, qui était sa conseillère justice, et c'est elle qui m'avait... D'ailleurs, Paulin était présent à cette... Paulin, qui est le neveu de Michel, qui... C'est lui qui m'a attrapé il y a 5 ans, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc on a fait un petit bout de chemin ensemble, et on se battait en tant que citoyen un peu avec les outils qu'on avait. Et Madame Hamson nous dit, parce qu'on avait interpellé nos députés à l'époque, et on avait quand même Dominique Rimbourg qui était le président de la commission des lois, en disant, rédigez cet avis déclaratif, remettez-le. Et en fait, ça n'avait pas été fait. Mais c'était vraiment une préconisation de Madame Hamson. Et c'est ce qui va permettre, en fait, justement, de transposer immédiatement en droit interne l'avis numéro 38 pour régler au plus vite le cas dans de Michel. Dans un cas particulier. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se pose, c'est que dans le cas de Michel, ça devient impératif parce que si on prend le fond et les indemnités qui sont mises en place dans le cadre de la CIVI, la détention arbitraire n'intervient pas. Et donc, dans ce mécanisme mis en place par l'avis déclaratif, ça permettrait justement ce qui est demandé, c'est que la détention arbitraire rentre dans le cadre ici. Et pour le coup, Michel pourrait être indemnisé en partie, parce qu'aujourd'hui, il vit de quoi? C'est un homme qui n'a plus... Il n'a pas accès à la retraite, il n'a pas accès à toutes ses aides, il n'a plus rien, il est dévasté. Et pour le coup, le fait d'actionner la CIVI permettrait justement indirectement que la France accompagne Michel dans son combat face au Cameroun, en se retournant aussi en indemnisant une partie et en disant que Cameroun, en demandant que cette somme leur soit restituée. Donc c'est pas une indemnisation aux frais du contribuable, mais ça permettrait des leviers pour qu'un État, et notamment la France, se retourne face au Cameroun ou à un autre pays. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est la difficulté. C'est-à-dire que je pense que Roland va aller dans mon sens, c'est qu'il y a des États qui transgressent et qui ne veulent pas appliquer en fait ces violations et ces préconisations. Il y a des États, et notamment la France en est un, c'est-à-dire que ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'outils législatifs et juridiques. C'est-à-dire que la France engage là dans la France n'est pas non plus un État transgresseur. Et si je peux me permettre d'ajouter cette précision, c'est que 3 députés, donc Olivier Favarni, toi et votre serviteur, ont saisi cette commission des lois pour que ce soit inscrit au plus tôt. Et notre objectif, c'est que cet avis, ce trait d'union législatif, comme on l'appelle, puisse être effectif d'ici l'été. Enfin, ça, c'est le premier temps avant de travailler sur une proposition de loi élargie qui pourrait être inscrite, elle, l'année prochaine. Merci. Il faut avoir le courage. La France doit avoir le courage, parce qu'aujourd'hui, l'avis déclaratif, je l'avais déposé en tant que citoyenne. Il était perdu. Quand je suis arrivée, comme dernier, il était perdu. Donc là, on réitère,
Et il faut que cet avis déclaratif, la commission des lois, soit saisie. La persévérance est l'art de réussir, monsieur Adjoumi. Ce que Aude vient de dire, elle est passée très vite. La détention de Michel est déclarée arbitraire. Il se tourne vers les organes français et la CIVI dit qu'il n'est pas victime. Pardon ? Vous parlez quel nom ? Victime de moi ? La CIVI dit qu'il n'est pas victime parce que le système n'est pas ouvert vers ce régime. L'avis déclaratif va permettre de résoudre cela. Michel est financier. Et pour exercer, il faut avoir un casier judiciaire vierge. S'il est considéré comme détenu sans qu'on accepte que cette détention était arbitraire, il ne pourra plus jamais exercer. On est dans un système totalement absurde. Et comme elle l'a dit aussi, ce n'est pas que la France est un État violent. La France peut violer des droits. Ok ? On ne l'exclut pas. Mais dans ce cas, ce n'est pas dans la logique de la France d'abuser de Michel. Mais le système ne sait pas comment traiter ce ovni. Et il faut éduquer le système et lui dire, à travers l'avis déclaratif ou la loi, voilà ce que l'avis du groupe de travail signifie dans notre système et voilà comment il fonctionne. Et le plus urgent, c'est Michel, mais à terme, résoudre ce problème pour tous les Français, dont vous. Et les Européens. Et les Européens. Et les Béninois. Et le monde. J'aime cet état d'esprit. Je simplement pour appuyer ce que disait Madame Amadou sur la pédagogie et le retour d'expérience qui participe. Et pour compléter ce que vient de dire Roland, effectivement, la CIVI a eu un problème avec cet avis qu'on lui a présenté, mais il n'y a pas que la CIVI. En premier lieu, Michel Thierry Atangana se tourne vers le Quai d'Orsay pour avoir une attestation. Cette attestation lui est délivrée et elle précise qu'il a été détenu de telle date à telle date. Quand vous faites le calcul, 17 ans, vous dites, à part un crime de sang, on ne voit pas ce que ça pourrait être. Parce qu'il n'est pas fait mention de la vie qui existait déjà. Donc Michel se tourne vers le Quai d'Orsay. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Une requête pour demander que soit précisé le caractère arbitraire de la détention. Preuve à l'appui, puisqu'on a la vie. Ça a été un refus. Donc, le Quai d'Orsay se méfie de la vie. On saisit le défenseur des droits. Pareil, le défenseur des droits met un certain temps et puis finalement dit « Ah, je vais pas être le premier à reconnaître la vie ». Ensuite, il y a la plainte contre X pour séquestration, qui elle avait été déposée en 2011 et qui met un temps fou à arriver à l'instruction. Là, pareil, le temps de voir qui fait une déclaration, qui est la première instance ou la première institution à reconnaître la valeur de l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire. Et enfin, la CIVI, qui rend une décision en disant « Bon, on va attendre de voir ce que dit la juge d'instruction. Si elle reconnaît Michel Thierry Atangana comme victime, si elle admet ce document qui est l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire, on va statuer. » Donc c'est à ça que va servir l'avis déclaratif. C'est la première déclaration, la première reconnaissance officielle par l'exécutif de la valeur juridique de l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire en droit interne. Moi, je voudrais juste préciser, pour recadrer en fait ce que vient de dire Myriam, il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, et à l'époque où Michel s'en saisit, c'est-à-dire qu'il y a eu une mésinformation énorme de la part de l'exécutif, d'où ces déboires. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y a une lettre où M. Fabius ne reconnaît pas Michel Thierry Atangana comme citoyen français, mais il le reconnaît comme franco-camerounais. Donc en fait, dans cette proposition de loi, et c'est là aussi où voilà, il y a la problématique, il va falloir qu'on soit vigilant, c'est sur ce cas des binationaux. Parce que ça n'a pas avancé, pas parce que la France ne le voulait pas, ça n'a pas avancé parce que la France ne reconnaît pas Michel comme citoyen français, mais comme franco-camerounais. C'est-à-dire que pour un ministre, je pense que c'est une grossière erreur. Et derrière, le Premier ministre ne reconnaît pas
la citoyenneté pleine et entière de Michel française. Donc, c'est pour ça aussi que la CIVI, elle a un rôle un peu plus complet, parce que dès qu'on est rentré, quand j'en ai saisi et l'Élysée et le Quai d'Orsay, la première chose, c'est de reconnaître Michel en tant que ressortissant français. Donc, on a pu. C'est là où il y a de la perte d'énergie, il y a de la perte de temps, et là, on a pu remettre en place tout ce processus auprès de la CIVI et auprès. Pour qu'il puisse se saisir. Mais le vrai problème au départ, c'est que la France, elle ne reconnaît pas Michel comme un citoyen français. Et c'est pour ça que dans la proposition de loi que nous devrons soumettre, il va falloir être très très vigilant et apporter une solution pour les binationaux. Quand vous vous déplacez, quel passeport vous utilisez? Parce que c'est très important. Alors il y a des passeports qui ne posent pas de problème. Bon, là on ne comptera pas. C'est-à-dire que vous prenez le passeport américain, vous êtes tranquille. Voilà. Le citoyen le mieux protégé, la citoyenne américaine. Mais il y a une vraie problématique sur ces binationaux. Madame la députée, ne pensez-vous pas qu'il est important aujourd'hui de sortir de cette hypocrisie, dans la mesure où nous savons très bien que tous ceux qui décident ou bien qui donnent l'impression de décider en Afrique sont directement cooptés par la France? C'est à ces personnes-là qu'on devrait poser certains problèmes. Comment voulez-vous demander à votre pion de réagir dans un sens qui ne vous convient pas? N'y a-t-il pas une vraie hypocrisie de laquelle il faut que la France sorte finalement? C'est quoi la binationalité? Le seul fait, l'appartenance, madame la députée, à une nation commence par la culture, et à la base de la culture, il y a la langue. C'est pas parce que je n'ai pas un passeport écrit passeport français que je ne suis pas français. J'appartiens à la France même sans être de nationalité française, car la culture, je l'ai dans la tête. Il y a quelque part une hypocrisie quelque part. Tous ceux qui vivent sur le territoire français ne devraient-ils pas être considérés comme étant tout simplement des citoyens français? La problématique qui se pose, c'est que, en termes notamment, une des premières, protection consulaire. Comment voulez-vous appliquer une protection consulaire qui est rattachée à une nationalité? Donc, ce n'est pas une hypocrisie, c'est un fait. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez bénéficier d'une protection consulaire à partir à côté d'une nationalité. Ça, c'est un fait, et elle est la même pour tout le monde, quel qu'en soit le pays. Après, moi, je n'irais pas dire que c'est une hypocrisie. C'est tous, en fait, tout ce qui a mis en place, et la France, elle est liée à tout ça, à cette histoire. C'est-à-dire que c'est, je le disais la dernière fois, à la dernière réunion, la non-ingérence, c'est pas quand ça nous arrange. Donc aujourd'hui, effectivement, moi, quand je m'en suis saisie, et ça a été aussi mon engagement politique, je pense que nous avons un président qui n'a aucune, et d'ailleurs ça pose parfois problème, difficulté à reconnaître les erreurs. C'est-à-dire que pour un pays, la première démarche, c'est de reconnaître ses erreurs. Et ça se fait très peu. C'est très difficile pour un pays ou un chef d'État de reconnaître une erreur. Je pense qu'on est dans ces démarches-là. Il y a beaucoup de Français étrangers qui sont dans cette volonté que le président de la République veut mettre en place. Donc on va commencer par là. C'est-à-dire, on reconnaît l'erreur. Mais ce n'est pas. Et c'est difficile parce qu'on sait très bien que durant des décennies, il y avait aussi ce mécanisme de France-Afrique qui commence un peu à s'éteindre, mais on ne va pas non plus voiler la face. Donc c'est une hypocrisie, ce ne serait pas le terme. C'est non-ingérence, mais quand ça nous arrange. Est-ce que la question que vous soulevez n'entre pas dans la protection diplomatique, mais trouve solution ailleurs? Et il y a un précédent. L'affaire Khashoggi, que vous connaissez bien, il n'est pas américain, il est saoudien. Pourquoi les États-Unis vont intervenir? Les associations, les professionnels ont dit parce qu'il a des attaches. Une résidence aux États-Unis, il a un visa qui lui permet de séjourner aux États-Unis et de travailler. Mais ce n'est pas assez pour la protection diplomatique. Donc, il faut trouver d'autres outils qui vont faire jouer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire-là, le gouvernement américain n'avait aucune envie de parler en raison de confluence financière, pétrolière, de je ne sais quoi d'autre. Mais les associations et son engagement professionnel ont forcé le gouvernement dans un sens, d'où l'intérêt de décentraliser le mécanisme. Mais si le citoyen a maintenant un moyen de forcer la décision de l'exécutif pour la protection, et comme Myriam l'a expliqué, on a vu les failles. Et si vous regardez le dossier à Tangana, c'est du délire permanent.
c'est du délit permanent. Et c'est tellement mauvais que ça a été contagieux. C'est-à-dire que le fou fait ce qu'il fait comme un fou, mais celui qu'on croyait ne pas être fou suit le fou dans sa folie. C'est du délire, ok? Et donc, si on donne les moyens aux citoyens de questionner le gouvernement, pourquoi vous ne faites rien me concernant? Oui, on va changer le débat parce que l'état de droit qu'on a instauré, c'est que tout le monde est contrôlé à travers le judiciaire. Si on a un différent, moi et l'État, on va devant le judiciaire. Si vous ne voulez pas m'accorder la protection diplomatique, je vous emmène devant le juge pour que le juge vous dise si j'y ai droit ou pas. En fait, sur la binationalité, oui, c'est une question pertinente. Souvent, on a des abus affectant des binationaux. Sauf que c'est un cas qui dépasse celui de Michel. Michel, il n'était que français. Il n'y a pas de franco-français. Il n'y a pas de franco-camerounais. Si, lorsqu'on joue au football, là. Il n'y en a pas. Et malheureusement, que le ministre des Affaires étrangères écrive qu'il est franco-français, le franco-camerounais, je suis désolé, vous faites une erreur profonde, vous versez dans le délire. Et donc, la binationalité, oui, c'est une affaire à régler, à traiter et mieux informer les citoyens sur quel passeport ils utilisent quand ils voyagent. Parce que la protection diplomatique se déclenche avec le passeport que vous avez fait tamponner en entrant dans le pays. Si vous êtes franco-béninois, ce qui est possible, pas comme le Cameroun, que vous allez au Bénin avec le passeport béninois pour ne pas payer le visa, le Bénin a plus ou moins le droit de vous abuser parce que vous êtes dans votre état de nationalité. Donc ça complique la vie du citoyen qui voyage sans trop le savoir. Je voudrais rebondir un peu sur ce qui est en train d'être dit depuis tout à l'heure ou de soulever un petit point tout à l'heure en disant le cas de Michel est connu. Mais j'ai l'impression que les gens font la sourde oreille de dire non, on ne sait pas, on n'est pas au courant. On sortait d'une réunion, je pense que c'était à l'Assemblée nationale, oui. Ici, dans les mêmes locaux, où on reçoit le courrier du Premier ministre à l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui est notre maire, accessoirement, entre eux. Donc, dans cette lettre où il dit, je ne sais pas, on s'est efforcé d'apporter la protection consulaire. Et en rentrant, ça me taraudait, et puis là sur Internet, j'ai dit, regarde, parce que ça commence à me faire pousser trop de cheveux blancs sur la tête, ça devient compliqué l'histoire. Et puis elle regarde, elle se rend compte qu'en 2008, Jean-Marc Ayrault était bien au Cameroun. Avec le député de la commission France-Afrique. D'accord. Et pendant qu'il était au Cameroun, personne n'est jamais allé voir mon nom en prison. D'accord. Laurent Fabius est allé au Cameroun, il est en prison. Quand il est allé au Cameroun, on s'est tous dit bah, il est au Cameroun, merci Seigneur, ça va, il va. Non, rien. Bon, me dire aujourd'hui qu'il suit. Non, ils sont au courant. Tous étaient au courant. Le président actuel est au courant. Tous sont au courant. Donc, comme j'ai dit, ce n'est qu'avec l'action que les néo-députés sont en train de mener, les sénateurs, qui va peut-être faire avancer le dossier. Et les médias, comme on disait aussi, les médias commencent à en parler. Parce que ça, c'est aussi un autre point mort, parce que les médias n'en parlaient pas. Tout dépend de quels médias. Vous ne m'avez jamais invité. Je serais venu. Je vous rassure, ton fait est invité. Pour la petite info, Michel, pour rentrer en France, a payé lui-même son billet d'avion. Pardon ? Oui. Je vous tiens à préciser. Comment ça peut être un peu le dossier, quand même. Depuis 4-5 ans, les petits détails, on les retient bien. Donc, la France ne l'a même pas mis à disposition un avion. Il a payé lui-même. Alors, autant vous dire que quand il est rentré, bon, il fallait qu'il se contente de sa liberté. On ne peut pas se contenter de sa liberté. En l'état actuel. Il fallait qu'il arrête de se battre. Comme disait Roland tout à l'heure, il fallait qu'il arrête de se battre
il fallait qu'ils soient contents d'être libérés. C'est rare que les gens soient libérés et il fallait qu'ils s'estiment heureux d'être en liberté. Donc c'est pour ça aujourd'hui le combat, ça c'est sûr et certain, les députés, on le mènera jusqu'au bout. Ça c'est sûr. Je voulais juste proposer une réponse. Je vous remercie parce que c'est la première fois que j'assiste à l'Assemblée nationale. Sur le cas de la France dans ses anciennes colonies, il faut qu'on soit clair et honnête, en conscience que la France sait tout ce qui se passe dans ses anciennes colonies. Sans exception. Vous allez aux toilettes, on sait que vous êtes à l'autre. Vous allez creuser la boutique, on sait que vous êtes allé creuser la boutique. Elle ne réagit qu'en fonction de ce qui l'arrange. Il faut que ce soit clair. Dans nos positions à tous, il faut que ce soit clair. La presse internationale, la presse des pays occidentaux n'agira qu'en fonction des intérêts des propriétaires de cette place et en accord avec le Quai d'Orsay. Il n'y a pas de miracle. Un fait ne sera monté que quand le Quai d'Orsay donnera son accord. On peut vous tuer, on peut faire tout ce qu'on veut de vous, on peut vous découper en morceaux. S'ils n'ont pas l'accord et qu'ils en parlent, ils sont foutus à la paix. Je parle des journalistes. Ils sont mis à l'écart. Donc on n'a qu'à... La France a un réel problème. Elle est la patrie, en parenthèse, des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, sélectif. On prend en fonction de ce qui nous dérange. Moi, je suis français et j'avais la guerre en Côte d'Ivoire. Le consul de France en Côte d'Ivoire, que je connais très bien, m'a appelé et m'a dit « Jo Mamadou, est-ce que tu peux venir? On va te rapatrier avec ta famille. » Pourquoi m'appeler moi pour me dire « Je vais te rapatrier avec ta famille » alors que j'agissais avec beaucoup pour que la guerre s'arrête et qu'elle n'ait pas lieu. Et on avait les éléments pour que la guerre n'ait pas lieu. La France avait les éléments parce que la Côte d'Ivoire a un accord avec la France pour la défense en cas de problème. Et l'ambassadeur m'a dit aujourd'hui, ce n'est pas de notre intérêt de faire avec cette guerre. Donc ce que je veux me résumer, c'est de dire que la France agit en fonction de ses intérêts, peu importe l'individu qui est en cause. Voilà ce que je voulais dire. Pour compléter cet aspect des choses, comment convaincre, est-ce qu'il faut dire aux citoyens, pour les convaincre, que le groupe de travail, qui fait partie de l'ONU, est tout à fait fiable au niveau des influences possibles, parce que l'ONU n'a pas une réputation toute parfaite. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour leur dire qu'il n'y aura pas d'ingérence justement dans votre travail en fonction de tel ou tel cas, qu'on vous fasse confiance et qu'on vienne vers vous. Il y a une réponse simple que je vais illustrer. Le groupe de travail, c'est des experts choisis par les organes des Nations Unies, mais qui fonctionnent en toute indépendance. C'est-à-dire que on a regardé nos dossiers, nos qualifications, et on nous a sélectionnés. Mais une fois qu'on est nommé, on ne reçoit d'instructions de personne. Et on est les Nations Unies parce que notre mandat découle des Nations Unies, mais on agit de façon autonome, à tel point que même les Nations Unies classiques, ça les dérange. On a déjà rendu un avis. Et le représentant du secrétaire général, souvent quand on parle Nations Unies, on voit les fonctionnaires. Le représentant du secrétaire général dans le pays a fait une déclaration pour dire que
les experts sont des indépendants, c'est des externes aux Nations Unies, et que ce n'est pas la même chose. On lui a fait réécrire pour lui dire on a un mandat des Nations Unies, donc quand on parle, c'est aussi les Nations Unies qui parlent. L'influence, ou plutôt la tentative d'influence, elle est là, en permanence. Des individus, des États, de différentes structures. Okay? Et l'histoire personnelle l'a fait Assange, le fondateur de Wikileaks. Voilà une affaire qui nous a pourri la vie. Et je le dis littéralement, ça nous a pourri la vie. On a été saisi, on a mis 2-3 ans pour décider parce qu'il y avait une complexité dans l'affaire. Personnellement, tous mes comptes ont été piratés. Je suis en train de manger, je reçois une notification de mon compte Gmail qu'on essaie de se connecter à mon compte depuis Washington, qu'on essaie de se connecter à mon compte depuis Londres, et ma femme dit, tu arrêtes tes conneries. Tu quittes ce groupe de travail, on en a marre. J'ai eu des entrevues avec des représentants de l'État qui ont fait comprendre que le groupe de travail allait disparaître. Je leur ai dit, les États ont mis en place le groupe de travail, s'il disparaît, ce n'est pas mon problème. Mais tant que je suis là, allez vous faire foutre. Je fais mon travail, je ne réponds pas de vous, je ne réponds pas des Nations Unies, je réponds de ma conscience et de ma connaissance du dossier. Point à la ligne. Oui, on est tous soumis à l'influence de part et d'autre. Il nous revient de gérer et de gérer cette influence en conséquence. Je suis béninois, je suis africain, je ne suis rien d'autre. Vous regardez mes dossiers sur l'Afrique et contrairement à mes collègues, en général, on ne parle pas à la presse. Quand ça concerne l'Afrique, je parle à la presse. Parce que je dis, l'Africain ne lit pas la décision. L'Africain va écouter la radio, va regarder la télé, donc je veux communiquer sur cette décision-là. Je ne dis rien de notre délibération, c'est notre cuisine interne, mais ce que la décision dit, je veux dire ça à la radio, je veux dire ça à la presse, pour que mon peuple entende ce qu'on a dit. On est indépendant, on est aussi indépendant que tout un chacun de nous peut l'être dans son travail professionnel. Et je crois que c'est la réponse la plus complète que je peux vous apporter. Y a-t-il d'autres questions? Non? Il me reste à vous remercier en tout cas de vous présenter toutes et à tous. Un grand merci à l'association et ses représentants. À vous deux. Merci. Et à M. Adjovic, vous avez fait l'honneur de sa présence. Et encore merci pour la grande qualité, la grande valeur de ces échanges, en tout cas. Et une grande clarté, une grande franchise dans les questions et les réponses, mais qui vont nous permettre de nous alimenter dans ce combat commun. Donc, continuons le combat ensemble et on va y arriver. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci.